Merci, bonjour à toutes et à tous. On est donc partout dans le monde, notamment grâce à Internet. Moi, c'était les associations qui sont partenaires de cette rencontre. Il y a l'Association nationale des anciens combattants et amis de la Résistance, l'Association des déportés internés résistants patriotes, les amis de la Fondation pour la mémoire et la déportation et le comité départemental d'organisation du concours scolaire national de la Résistance et de la déportation. Stéphane Essel, il est toujours compliqué de résumer votre vie en quelques mots, vu la richesse. Je vais dire que vous êtes né allemand, que vous êtes devenu français, vous avez été résistant, déporté, vous avez participé à la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme, vous avez eu un parcours dans la diplomatie, mais un parcours original, puisqu'aux ambassades classiques, vous avez préféré les organisations internationales, l'ONU notamment, qui a eu une très grande place dans votre vie. Vous avez également été un proche de Pierre Mendès France et de Michel Rocard. Vous êtes un homme qui est engagé, mais qui se considère, je pense, d'abord et avant tout comme un médiateur. On l'a vu notamment en 1996 auprès des personnes sans papier dans les lycées Bernard à Paris, Et en octobre dernier, vous avez donc publié ce petit livre, Indignez-vous, alors qu'il en est à plus de 2 millions d'exemplaires en France, en Europe, je ne saurais pas dire, 3, 4, 5. Je pense que les ventes actuellement en Espagne sont certainement en train de monter. On y reviendra dans un instant. C'est un peu votre année, Stéphane Essel. Comment vous la vivez? Cette année, oui, ça m'a complètement transformé. J'étais un homme relativement acceptable, un vieux monsieur qui avait eu une vie riche, intéressante, qui avait travaillé avec d'autres amis diplomates, des gens généralement posés, prudent. Et voilà que tout à coup, je me sens propulsé au milieu de gens qui ont pris le titre de ce petit livre au sérieux et qui ont dit, ben, puisqu'ils nous demandent de nous indigner, nous allons nous indigner, et du coup, qui m'assaillent de toutes parts en disant, racontez-nous, c'est vous, nous vous suivons. Tout ça est très exagéré. Ce qui me fait très plaisir, c'est que nous ayons réussi, avec l'aide de Sylvie Crossman, qui est à la tête des éditions indigènes, à publier sur quelques 30 pages un texte qui est effectivement un appel à ne pas rester indifférent à tout ce qui marche mal dans nos sociétés, pas seulement dans la société française, pas seulement dans la société européenne, mais dans le monde en général, qui doit faire l'objet d'une vraie interrogation de la part des citoyens que nous sommes. Et c'est la raison pour laquelle le succès, pour moi, tout à fait imprévisible, de ces 30 pages, me fait plutôt plaisir. Je pense que c'est une bonne chose que beaucoup de gens à droite et à gauche se posent la question. Est-ce qu'il n'y a pas des raisons de s'indigner? Et si oui, qu'est-ce qu'on peut faire? On va y revenir tout à l'heure. Je vais d'abord retracer un petit peu votre parcours. Je l'ai dit, vous êtes né allemand en 1917, vous êtes devenu français. Alors, il se trouve que depuis quelques temps, notamment en France, on s'interroge beaucoup sur qu'est-ce que ça veut dire être français. Pour vous, quand vous avez donc pris la nationalité en 1937, ça voulait dire quoi, devenir français? Alors, franchement, je suis né à Berlin, c'est vrai, mais dès l'âge de 7 ans, je vivais en France, scolarisation en France, et dès le début, j'étais convaincu que je serais français, que je vivrais en France. On ne naturalisait pas à l'époque avant l'âge de 20 ans.
Et donc, désireux de devenir français, il fallait que j'attende l'année 1937, lorsque j'ai atteint l'âge de 20 ans, pour obtenir de Léon Blum, qui à l'époque a signé le texte, un acte de naturalisation. Mais je me sentais déjà incontestablement français, et d'autant moins allemand, que l'Allemagne, dans l'intervalle, avait subi un parcours qui m'était extraordinairement étranger et hostile, puisque dès 1931-32, le surgissement du national-socialisme, puis la prise de pouvoir d'Hitler, faisait qu'il n'était plus question pour moi de revenir en Allemagne, même si j'ai gardé mon passeport allemand jusqu'en l'an 1937. Et devenir français, qu'est-ce que cela voulait dire? Cela voulait dire, en quelque sorte, poursuivre mes études scolaires qui m'avaient enseigné ce que c'est que la France. Nos enseignants, à l'époque, étaient très clairs dans la description de la France comme d'un pays qui accueillait les amis du monde entier. Il n'y avait pas dans l'enseignement français le moindre racisme, la moindre xénophobie. J'ai appris malheureusement plus tard que ce n'était pas le cas partout en France. Mais pour moi, être français, mais être d'origine allemande, ça n'apportait rien de particulier. Oui, je gardais le goût de la poésie allemande, la connaissance de la culture allemande, mais c'était le fait d'innombrables Français qui apportaient les uns la culture allemande, les autres la culture italienne, la culture portugaise, la culture espagnole, et qui n'en étaient pas pour autant imbus de la commune culture française, culture d'accueil à toutes les cultures, et c'est comme cela que je vivais mon identité française. Lorsqu'on met cette identité en question en se disant « oui, mais il est d'origine ceci, d'origine cela », on va à l'encontre de ce qui fait mon attachement à notre merveilleux pays. Aujourd'hui, quel est votre rapport, votre amour de l'Allemagne? Alors, j'ai gardé beaucoup d'intérêt, même de curiosité, à l'égard de l'évolution de ce peuple. Je dis toujours, le peuple allemand a vécu le plus extraordinaire des 20e siècle. Peu de peuples ont vécu un siècle aussi varié, divers, dans sa façon d'être traité. Il a été traité d'abord par un formidable empire, puis par la guerre de 14-18, qu'il a beaucoup démoli, par une période de la République de Weimar, où il était au second plan. Il essayait, par la Société des Nations, de retrouver un moment, mais il n'y réussissait pas. Et du coup, l'arrivée de ce type complètement dingue, complètement farfelu, mais très convaincant, qui était Hitler, a donné à ce peuple l'impression qu'il pouvait de nouveau dominer le monde. Et il l'a dominé pendant au moins 5 ou 6 ans, et après quoi il a été complètement détruit, gravement détruit, et ensuite il a été divisé en deux. Il y avait deux Allemagnes qui se regardaient comme des ennemis, et puis 40 ans plus tard, il a été réunifié d'un seul coup, et ça a donné une réunification de l'ensemble de l'Europe. C'est une destinée extraordinaire que celle de ce peuple, et il en sort au bout de beaucoup, beaucoup d'horreurs et de beaucoup, beaucoup de moments de gloire farfelue. Il en sort fort. Il en sort comme un des piliers nécessaires pour nous de la construction européenne. Je suis heureux qu'aujourd'hui les petits Français et les petits Allemands se considèrent très fraternellement, veuillent travailler ensemble. Et s'il y a un pays qui actuellement soutient avec force la construction de l'Europe, ce sont bien les Allemands. Alors, je repars dans le passé, Stéphane Hessel. Quand la Seconde Guerre mondiale débute, vous êtes un pacifiste, mais vous participez donc à l'armée française dans les premiers temps, vous êtes démobilisé ensuite, et puis en mars 1941, vous décidez de poursuivre le combat en entrant en résistance
à Londres, en rejoignant le général de Gaulle, en vous engageant dans le BCRA, mais vous, c'est le mot R, en renseignement pour vous. Comment êtes-vous entré en résistance et pourquoi? Alors voilà, c'est une des questions qu'on me pose souvent, notamment des jeunes que je rencontre, des jeunes lycéens au collège, ça m'est arrivé hier ici même à Rennes. Comment est-ce qu'on entre en résistance? Évidemment, on n'entre pas en résistance, on ne va pas dans un bureau en disant « Eh là, je voudrais être résistant ». Ce qui m'est arrivé est assez singulier, je veux dire, ça m'est arrivé, c'est pas arrivé de la même façon à beaucoup d'autres Français, c'est que, ayant été fait prisonnier à la fin de la campagne de 1940, en juin 40, m'étant évadé dès le lendemain d'un camp d'officiers qui se situait à Bourbonne-les-Bains, je me suis fait démobiliser, mais que j'étais revenu de cette guerre dramatiquement perdue avec la ferme conviction qu'on ne pouvait pas, qu'on ne devait pas accepter l'armistice, qu'il fallait continuer à se battre. Or, il n'y avait qu'un homme qui nous appelait à continuer à se battre, c'était le général de Gaulle. Je lui voue aujourd'hui encore une immense reconnaissance, car il a vraiment sauvé l'honneur de notre pays en nous appelant à continuer le combat. J'ai donc essayé, ce n'est pas facile, de trouver un moyen de rejoindre Londres. Finalement, avec des complicités merveilleuses, j'ai pu aller à Oran, à Casablanca, de là à Lisbonne, et de là, un petit avion sympathique m'a amené à Bristol, et quelques semaines après, je m'engageais dans les forces françaises libres, devenues ensuite les forces françaises combattantes. On m'a dit, ce dont les Anglais ont besoin, c'est d'aviateurs. Je me suis donc fait former comme aviateur, mais au sortir de cette formation, on m'a recruté pour ce que vous venez de nommer BCRA, Bureau Central de Renseignement et d'Action, et j'étais affecté à la partie renseignement, qui consistait à susciter et à avoir le contact avec des réseaux qui, en France, récoltaient les informations dont les alliés pouvaient avoir besoin, qui les envoyait à Londres par des petits appareils radio à manier avec beaucoup de précautions, car les Allemands pouvaient les repérer et les arrêter très vite, ou envoyer par des opérations aériennes des atterrissages qui ramenaient en Angleterre des lots importants de renseignements militaires, économiques, politiques, nécessaires aux alliés, est nécessaire aussi au général de Gaulle pour préparer sa réussite de la libération et de ce qui allait surgir après la libération, de la mise en place de la 4e République. En mars 1944, la mission Gréco, c'est celle qui va vous emmener en France. Vous serez arrêté quelques mois plus tard par la Gestapo, déporté. Il y aura plusieurs camps hein, pour vous, notamment Buchenwald et Eldora. Vous êtes éclaté à plusieurs reprises, vous avez échappé à la mort à plusieurs reprises. Vous êtes souvent évidemment interrogé sur cette thème-là, c'était le cas donc, hier ici avec des encore plus jeunes que vous. Mais comment voilà, ces souvenirs-là vous accompagnent aujourd'hui? Alors d'abord, je trouve qu'il faut cesser de trop parler de cette période. Le récit de l'ancien combattant, avec la manière dont il a été arrêté ici, puis porté là, puis porté là. Ce sont des choses qu'on ne peut pas complètement oublier. Nous avons eu une belle cérémonie hier où on rappelait tout ça au mémorial ici. Il y avait des porte-drapeaux et tout ce qu'il faut autour du maire de Rennes. Oui, c'est intéressant, mais ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est de me dire où en sommes-nous aujourd'hui. Est-ce que le message de cette période peut être formulé? Qu'est-ce que cette période nous apporte comme message pour aborder maintenant l'avenir de notre pays, l'avenir de notre Europe et l'avenir de la société mondiale? À cet égard, je mets un accent particulier sur un texte relativement court et qui a été rédigé pendant la résistance
à la demande de Jean Moulin, envoyé de Londres pour unifier la résistance, et qui a réussi à mettre autour d'une table, dans des conditions précaires, dans une clandestinité dangereuse pour chacun d'entre eux, les syndicats, les partis, les mouvements de résistance, et qui leur a dit « Je vous demande de réaliser, de rédiger un programme qui est ce que vous pensez que doit être la France de demain. » À l'évidence, elle ne doit pas seulement être le retour à la France de la Troisième République. Il faut constater qu'elle a été battue. Et en aucun cas, elle ne doit être la France de Vichy que nous, résistants, considérons comme complice de l'Allemagne et comme faisant régner en France un État français qui n'a plus rien de républicain et de démocratique. Travaillez là-dessus, rédigez un programme, rédigez-le dans ces conditions de clandestinité assez rares pour faire un travail de ce genre, et on va l'envoyer au général de Gaulle, et ça lui servira pour savoir ce que le peuple français, dans sa partie résistante, celle qui n'a pas voulu de Vichy et qui veut de Gaulle, ce que cette partie-là de la France se souhaite. Eh bien, ce texte, quand on se le remémore aujourd'hui, offre, à mon avis, beaucoup de quoi réfléchir. Il nous permet de voir que les avancées démocratiques que ce texte proposait, une presse indépendante, un souci d'échapper aux féodalités économiques et financières, un besoin d'assurer la sécurité sociale pour tous, le besoin d'avoir une vision forte de l'appartenance des citoyens à une véritable démocratie, tout cela figure avec une sobriété de langage que je trouve tout à fait remarquable. Et c'est la raison pour laquelle ce que je voudrais garder de ces souvenirs de guerre un peu assommants, le vieux combattant qui a été dans tel camp, c'était dur, dans quel autre temps, c'était moins dur. Je veux surmonter maintenant tout cela et dire le message de ces gens qui ont su résister et auxquels je suis attaché parce que au-delà de ma vie des camps, je suis encore, je me considère encore comme un ancien résistant. Et je pense qu'il est bon de rester résistant. Ce programme-là, je souffre de voir qu'aujourd'hui, et il n'est pas respecté en France par notre gouvernement actuel autant qu'il devrait l'être, et qu'il y a donc des raisons valables de s'indigner en pensant que ce souvenir-là, cette espérance-là, clairement décrite dans ce programme, est aujourd'hui battue en brèche par plusieurs points. C'est ce qui donne le sens à l'ouvrir. Si vous en arrivez à ce constat-là aujourd'hui, est-ce que, là, je vais être un petit peu provocant, mais si en gros, vous avez perdu votre job de transmission, est-ce qu'il n'a pas manqué quelque chose, alors, évidemment pas que vous, mais les générations qui ont vécu et subi la guerre? Il faut en effet être critique et peut-être même quelquefois sévère à l'égard de ce que ma génération a accompli. Mais je le mettrai, si vous voulez, en deux temps, à la fois ce qu'elle a essayé d'accomplir et ce qu'elle n'a pas réussi à accomplir. Ce que nous avons essayé d'accomplir, d'abord, il faut reconnaître que le gouvernement issu de la guerre, les premières soi-disant 30 glorieuses, n'étaient peut-être pas tellement glorieuses, mais elles se fondaient sur une façon réelle d'appliquer assez largement les données que nous venons de rappeler de ce programme. Mais ça n'a peut-être pas duré, on y reviendra. La deuxième chose que nous avons quand même réussi, c'est la décolonisation et une
première chose que nous avons réussi, et on y reviendra forcément, c'est que tout de suite après la guerre, 3 ans après la guerre, nous avons réussi à mettre sur pied cette déclaration universelle des droits de l'homme qui reste aujourd'hui encore un programme, loin d'être réalisé, mais très fort dans sa manière de poser des problèmes fondamentaux qui sont ceux de toutes les sociétés modernes. Nous n'avons pas fait que ça. Nous avons fait quelque chose qui paraît aujourd'hui simple et évident, construire l'Europe. On est tous européens, oui. Est-ce que vraiment on croit à l'Europe? Ouh, attention. Mais d'avoir simplement réussi à ce que d'abord 6, puis 9, puis 12, puis 15, puis maintenant 27 pays travaillent ensemble désormais, avec les difficultés qu'on rencontre toujours, mais ne se font plus du tout la guerre. On vient maintenant même d'arrêter Mladic, ce qui va nous permettre peut-être de mettre la Serbie aussi dans l'Europe. C'est un formidable travail. Et je dois dire, il faut être reconnaissant, moi je n'y ai pas contribué beaucoup, mais aux hommes et aux femmes de ma génération qui ont réussi ce tour de force de faire travailler ensemble l'ensemble des Européens. Mais là où nous avons en effet manqué, et vous avez raison de m'interroger là-dessus, cette Europe, nous ne l'avons pas suffisamment singularisée dans les valeurs qu'elle portait, nous l'avons laissée se dissoudre dans une espèce de société générale, économique, financière, néoconservatrice, néolibérale, dont elle n'est finalement qu'une partie, qui subit l'influence de cet ensemble, qui, lui, n'est plus fidèle aux valeurs fondamentales que nous venons de rappeler. Ça, c'est un véritable échec. Puis il y a un autre échec, il faut bien le reconnaître. Il y a maintenant une trentaine d'années, on comprenait enfin qu'au cours des 2 ou 3 siècles précédents, les hommes s'étaient comportés vis-à-vis de leur mère, la nature, d'une façon incroyable, comme des enfants pas du tout sages, comme des enfants qui font un massacre de ce que leur mère, la nature, leur apportait. Et nous, nous apercevons aujourd'hui qu'il est grand temps et que ma génération a été lente, très lente, à comprendre la nécessité de travailler maintenant pour que cette terre puisse continuer à porter demain et après-demain les 9 ou 10 milliards d'hommes qui s'y trouvent. Voilà les échecs. Vous m'interrogiez un peu là-dessus. Pourquoi ma génération n'a pas fait ce que nous demandions qu'elle fasse? Elle en a fait une partie, mais là, il y a des choses. Il ne faut pas être ingrat. Il faut être, dirais-je tout de suite, d'autant moins ingrat quand on se trouve dans cette belle ville de Rennes. Car s'il y a une ville qui me donne l'impression d'avoir vraiment préservé et d'avoir même développé ces valeurs démocratiques et socialistes fondamentales dont nous avons besoin, c'est la ville de Rennes. Certains de ces éminents responsables se trouvent, semble-t-il, dans cette salle. Je leur adresse un salut amical. On va s'intéresser dans un instant à la déclaration universelle des droits de l'homme, parce que vous avez participé à la rédaction, mais je voudrais rebondir sur ce que je venais de dire sur l'écologie, parce que c'est quelque chose qui vous anime depuis quelques années. Mais quand vous avez travaillé à l'ONU, vous avez aussi vu les différents rassemblements, Jean-Yves Bourg et les autres, qui sont intéressés à ce sujet-là. Quand vous, Stéphane Essel, êtes devenu écologiste et quand êtes-vous devenu prof de l'écologie politique? Alors, je dirais que des gens comme Nicolas Hulot, comme Al Gore, le vice-président américain, ont vraiment montré avec beaucoup d'efficacité, beaucoup de force, les risques que nous fait courir la dégradation écologique. Ça a fait que, après avoir été simplement un partisan,
de la conférence de Stockholm 1972, la conférence de Rio 1992, la conférence de Johannesburg 2002, j'ai commencé seulement à comprendre que ce problème avait une importance telle, était tellement à la racine de beaucoup d'autres problèmes interdépendants, que je me suis dit maintenant il faut m'engager politiquement. Et donc depuis 3 ans, je souscris à ce que essaye de faire Danny Cohn-Bendit, Eva Joly, Nicolas Hulot et d'autres, qui tous ensemble essayent de nous rendre attentifs à ce problème que nous avons vécu comme un des problèmes, oui, mais qui est maintenant le problème. Et c'est la raison pour laquelle j'appelle tous mes amis à s'engager à côté du Parti socialiste, qu'il faut soutenir aussi dans ce groupe Europe Écologie Les Verts, qui peut faire pour la France ce que les Verts ont fait en Allemagne il y a quelques années, en association étroite aussi avec le SPD, avec les socialistes allemands. Cette combinaison, à mon avis, du socialisme dont nous avons besoin et de l'écologie que nous devons comprendre, c'est la combinaison gagnante. Je souhaite qu'elle soit gagnante en France, mais je souhaite surtout qu'elle soit gagnante en Europe, car je mets en fait qu'une France merveilleuse, mais prise dans une Europe détestable, ce n'est pas la solution. Je voudrais m'intéresser donc à une date qui vous tient à cœur, c'est le 10 décembre 1948. Ce jour-là, quelques pays se réunissent et votent la déclaration universelle des droits de l'homme. Beaucoup de oui, une poignée d'abstention, aucun non, ce qui vous touche aussi beaucoup. Vous avez donc participé à la rédaction, ça a duré, je crois, 3 ans pour arriver à un texte qui rassemble tout le monde. Dans quel esprit, vous avez participé à cela? Comment on est arrivé à ce mot, alors que je trouve un peu prétentieux, excusez-moi, Stéphane Eiffel, mais universel. Parce que tous les États n'étaient pas là quand ils l'ont rédigé. Vous avez tout à fait raison, et c'est un problème sur lequel on nous cherche de la part d'un certain nombre d'États. On nous cherche, je dis tout de suite, on nous cherche à tort. On nous cherche parce que ces gouvernants disent « Oh, mais ce texte, il a été rédigé par des Occidentaux, et nous, nous avons des cultures différentes ». Et ce que dit ce texte ne peut pas s'appliquer à nous. Ils ont gravement tort. Ce texte a été rédigé, certes, par seulement 18 participants et approuvé par seulement 48 États, avec ensuite 8 abstentions pour les 54. Mais ce texte a été rédigé avec une volonté de n'y faire figurer que des droits et des libertés qui doivent et peuvent s'appliquer à toutes les femmes, tous les hommes, tous les enfants du monde. Et j'ai été témoin de l'effort extraordinaire qui a été fait pour que ce texte ne choque aucune religion, ne choque aucune philosophie, aucune idéologie. N'oublions pas que l'idéologie communiste était présente, l'idéologie libérale était présente et que nous avons réussi à les mettre d'accord. Vous rappeliez qu'il n'y a pas eu de vote contraire. Je pense donc que ce texte, qui n'est pas resté le seul sur ce sujet, puisqu'il a donné lieu 16 ans plus tard au pacte des droits civils et politiques, numéro 1, et au pacte des droits économiques, sociaux et culturels, numéro 2, qui, eux, sont devenus des instruments contraignants juridiquement. Il n'y a malheureusement pas encore de Cour des droits de l'homme universelle, mais il y a une Cour européenne, c'est déjà très important. Ce texte, encore une fois, n'a pas que des qualités, aucun texte n'a que des qualités. Il y a un défaut dont nous avons déjà parlé, c'est qu'il ne parle pas du tout de la Terre, mais ce dont il parle reste valable. Alors, revenons sur le mot universel. C'est en effet très ambitieux, très prétentieux, je dis toujours très culotté.
Eh bien, cette petite équipe qui a rédigé la déclaration, sous la présidence de la veuve du président Roosevelt, Eleanor Roosevelt, avec la participation très active de René Cassin, ce texte, il a voulu ouvrir une nouvelle page de l'histoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les violences que l'on venait de surmonter étaient d'une nature quasiment unique dans l'histoire des sociétés humaines récentes. Jamais avant, il n'y avait eu une destruction systématique d'une partie de l'humanité comme l'a été la destruction des Juifs d'Europe par les nazis, ce qu'on appelle maintenant la Shoah. C'est un événement unique dans l'histoire. Il y a eu beaucoup de massacres, il y aura encore beaucoup de génocides, mais jamais d'une manière aussi systématique et aussi radicale, on a essayé d'éteindre une partie de nos concitoyens. L'autre chose, très très grave aussi, c'est la première bombe nucléaire, Hiroshima, et la deuxième, Nagasaki. Ce qui veut dire, pour être bref, que en 1945-48, nous nous trouvions devant une humanité qui devait ouvrir une nouvelle page de son histoire. Question que je me pose. Ne sommes-nous pas en 2011 à un moment où il est aussi absolument nécessaire d'ouvrir aujourd'hui une nouvelle page de notre histoire? Nous n'avons pas seulement besoin de quelques réformes nécessaires ici ou là. Nous avons besoin de voir le monde avec un regard neuf, un regard pragmatique, pas un regard révolutionnaire. C'est fini ça, nous avons ça derrière nous. Un regard pragmatique. Et ce qui me fait un bien infini, c'est de voir ces jeunes, que ce soit aujourd'hui à Madrid, hier ou avant-hier, au Caire ou à Tunis, s'attaquer de façon pragmatique à la mise en place de démocraties nouvelles, tenant compte de leurs besoins fondamentaux, comprenant l'ensemble interdépendant des problèmes qui se posent à nous. S'il y avait là une nouvelle aurore après le crépuscule que nous avons vécu au cours des 10 dernières années, alors mon existence sur cette terre serait couronnée de bonheur. On revient quand même sur ce mot universel, déclaration universelle des droits de l'homme. Parce que depuis quelques années, il y a certaines régions du monde qui écrivent eux-mêmes leur déclaration des droits de l'homme, qui ne visent pas à compléter pour celle de l'ONU, mais à la remplacer. C'est notamment le cas dans les pays arabes. La Ligue des pays arabes a fait sa propre charte avec des manquements sur le droit des femmes, sur l'enfance, sur la torture, sur la liberté d'association. Ça, c'est notre agression. Alors, c'est le signe que l'ambition portée par la Déclaration universelle n'est pas encore au cœur de qui? Non pas des peuples, mais des gouvernements. Lorsque les gouvernements arabes se réunissent pour rédiger une déclaration, ils tiennent compte de ce qui leur apparaît comme possible ou pas. Ils sentent qu'ils ne sont pas encore prêts à franchir certaines étapes. Et ils rédigent donc, vous avez raison de le souligner, des textes qui sont en recul par rapport à la Déclaration universelle. Je dirais que c'est une absence de maturité historique. Mais ça ne veut pas dire que les peuples de l'islam ou les peuples de la Chine ou les peuples de l'Inde n'aient pas autant le droit que les peuples européens ou les autres, autant le droit aux libertés et aux droits économiques, sociaux, civils, politiques qui figurent dans la Déclaration universelle, ils y ont droit en tant que femmes et hommes et enfants
de partout dans le monde, mais leur gouvernement, intimidé souvent par des coutumes ancestrales, sentent qu'ils ne sont pas encore prêts à franchir ce dernier pas. Mais croyez-moi, ils y arriveront. La pression qui s'exerce à l'intérieur de l'islam va dans le sens de réclamer précisément ses droits et ses libertés. Et cette pression est déjà pas mal forte, même en Syrie, à Bachar el-Assad a beau s'en défendre. Donc, je pense que le mot universel a de bonnes raisons de s'appliquer, non pas comme quelque chose de déjà acquis, ça ne l'est pas, même pas chez nous d'ailleurs, on y reviendra, mais quelque chose qui est universellement valable. Vous avez parlé de certains peuples arabes, je voudrais qu'on aille un peu plus loin dans le Maghreb avec la Tunisie, en reprenant le titre de votre livre, Indignez-vous, parce qu'on en a parlé ici il y a quelques jours avec des membres de Medeb sur le printemps de Tunis, et l'une des revendications finalement des jeunes de cette révolution, c'était le retour à la dignité. Est-ce que vous, voilà, en ayant écrit un livre qui s'appelle Indignez-vous, est-ce que vous avez, est-ce que vous partagez aussi leur droit à la dignité? Je pense en effet, merci de soulever ce point, je pense que la notion de dignité, c'est une notion lourde de sens, il faut l'analyser clairement. Elle fait de l'être humain individuel le porteur d'une revendication et d'une valeur qui ne doit pas lui être refusée, et quiconque manque à son égard de ce minimum de respect qu'exige sa dignité de femme ou d'homme, se met en difficulté avec lui. Alors, entre l'indignation et la dignité, il y a un rapport très direct, c'est-à-dire que l'indignation ne me paraît justifiée que lorsqu'elle s'oppose à ce qui fait du tort à la dignité. C'est comme ça que, d'une façon peut-être un peu paradoxale, j'interprète cet appel à s'indigner. Il ne s'agit pas seulement d'être furieux, il s'agit de reconnaître que lorsque la dignité n'est pas reconnue, il y a des raisons de s'opposer à cela, et c'est cela qui justifie une indignation. Si Abdel Wahab Medeb, qui est un grand ami et que je respecte beaucoup, pense qu'il y a là quelque chose, un lien utile entre cette indignation manifestée, en se référant quelquefois à mon petit livre, et la dignité à rétablir, là, je lui suis reconnaissant de faire ce lien qui m'est tout aussi cher. Je ne renonce jamais à rappeler à ceux qui n'ont peut-être pas présent dans la mémoire l'article premier de cette déclaration universelle dont vous nous avez amené à parler. L'article premier, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience. Ils doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. » Tout y est dit et le mot dignité figure à la place d'honneur, si j'ose dire, c'est-à-dire là où on lui donne le rôle central dans la personnalité humaine. Bon, est-ce que réclamer un droit à la dignité, c'est pas un petit peu trop fort en Espagne aujourd'hui, en Grèce, un petit peu en Italie, un petit peu en France? C'est fort, vous avez raison. Est-ce que c'est trop fort? Alors là, nous en venons à un de mes soucis permanents, et je le dis même dans mes livres, au fond, de quoi suis-je capable, de quoi ai-je envie d'être capable? C'est d'un rôle de médiation. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des régimes qui n'ont pas encore été capables de vivre à la hauteur de nos communes ambitions universelles. Ces régimes, il ne s'agit pas de les bombarder comme les Américains ont bombardé l'Irak
ou d'y envoyer des troupes, comme nous envoyons des troupes en Afghanistan, mais plutôt de négocier avec eux et de comprendre comment il leur serait possible, comme cela a été notre cas, nous avons connu le féodalisme, nous avons connu les guerres les plus coupables, et nous sommes arrivés à un degré de démocratie. Eux aussi peuvent y arriver, pas en les fustigeant, pas en les bombardant, mais en discutant avec eux. Je vous donne un exemple. Un pays qui me tient très à cœur, c'est Israël. J'étais là lorsque Israël a été créé par les Nations Unies. C'est le Conseil de sécurité qui a décidé à l'unanimité de donner aux Juifs qui avaient subi la Shoah un État. Eh bien, cet État a, à mon avis, comme mandat de faire vivre un judaïsme acceptable par tous ses partenaires, et notamment acceptable par ses partenaires arabes qui vivent autour de lui et qui ont déjà été amenés à consentir des sacrifices pour laisser la terre d'Israël aux Juifs qui s'y sont établis. Eh bien, je pense que ce que les Israéliens n'ont pas encore compris, c'est la nécessité d'engager une véritable négociation avec leurs voisins palestiniens. Chaque fois que je vais là-bas, je m'aperçois que cette négociation est rendue impossible par les exigences excessives des Israéliens à l'égard de la Palestine. Eh bien là, il ne s'agit pas d'une nouvelle intifada qui va essayer de détruire Israël ou quoi. Il s'agit de négocier et de comprendre que ceux qui s'opposent à cette négociation ou qui ne l'entreprennent pas comme ils devraient être entrepris doivent faire l'objet de pression de la communauté internationale. Je suis très sévère à l'égard des forces internationales, États-Unis et Europe et les autres, qui n'ont pas exercé la pression suffisante pour que cette indispensable négociation puisse aujourd'hui voir le jour. Je reviens à ce qui se passe chez ces jeunes indignés, comme ils s'appellent dans quelques pays d'Europe. Parce que vous écrivez dans vos livres, Indignez-vous, et puis un autre qui s'appelle Engagez-vous, qu'il faut, un appel à cette génération, alors aux jeunes, il faut refuser l'indifférence. Il faut analyser ce qui se passe, il faut s'engager, il faut agir petit à petit. Ça se passe dans les démocraties par une bulletin de vote. Pourquoi alors est-ce qu'ils appellent à ne pas voter pour les grands partis, à ne pas utiliser pleinement les outils démocratiques ? L'un des mots d'ordre, c'est démocratie réelle maintenant. Voilà ce qui me préoccupe, et je suis heureux que nous puissions l'évoquer. À l'égard des démocraties réelles, et pas des démocraties virtuelles où tout se passerait admirablement, il y a un recul des jeunes générations, souvent. Ils ont l'impression que tous ces partis politiques n'ont pas vraiment réussi à changer les situations détestables là où elles existent encore et qu'il faut par conséquent trouver autre chose, trouver peut-être de voies d'action extérieures aux partis politiques. Je rappelle que c'est la Charte des Nations Unies, ma vieille chère charte, qui dans son article 71 parle pour la première fois d'organisation non gouvernementale. Ce mot maintenant largement répandu, NGO, ONG, il est né de la charte. Et les rédacteurs de cette charte savaient qu'il fallait faire appel au concours d'organisations autres que les seuls partis politiques et autres que les seuls gouvernements. Mais je rends attentif tous mes jeunes amis
au fait que si on veut changer quelque chose, il faut le faire par des gouvernements, que les gouvernements démocratiques ne peuvent vivre que s'il y a des partis politiques, et que s'abstenir dans les votes pour ne pas apporter son soutien à un parti politique, c'est être complètement à côté de la plaque. Nous avons besoin de partis. Il faut choisir celui qui vous apporte les plus grandes satisfactions. Aucun parti ne vous apporte toutes les satisfactions. Mais il y en a qui vous les apportent plus que d'autres. Et s'il n'y en a aucun, il faut en fonder un. Mais il ne suffit jamais de s'agiter intelligemment, même. Je ne dis pas s'agiter bêtement, non, vous m'avez entendu. S'agiter intelligemment dans les rues, manifester, faire pression sur le gouvernement, ça ne suffit pas. Nous vivons dans des états de droit. Et dans des états de droit, ce sont les gouvernements s'appuyant sur un parlement, avec des partis politiques dans ce parlement, qui sont capables ou non d'aller de l'avant. Donc, mon appel à tous qui sont dans cette salle, même sur les balcons, là j'en vois beaucoup, votez aux prochaines élections. Votez bien, bien sûr, mais surtout, votez. Comme il ne reste plus beaucoup de temps avant justement les questions de la salle et puis de Nicolas et d'Assigny, je vous pose une question d'actualité. Vous n'êtes pas sans savoir que jusqu'à hier, c'est venu à Deauville, à côté de Deauville, que vous aimez bien Trouville, le G8. Est-ce que ça vous semble légitime et efficace? Parce qu'on a l'habitude de dire que la seule réussite du G8, c'est d'avoir évité une crise économique en 1985. D'ailleurs, Barack Obama a beaucoup hésité avant de venir aux élites, pensant que le G20, lui, était bien plus pertinent. On voit aussi que les BRICS, donc le Brésil, Inde, Chine, Russie, et dans le cas d'Afrique du Sud, font également leur propre rassemblement. Qu'est-ce que vous attendez de ces rencontres entre chefs d'État, indépendamment des organisations tout à fait qui existent? Je dirais que la seule organisation que je considère comme légitime, parce que fondée sur une charte avec des valeurs clairement affirmées, ce sont les Nations Unies. Mais depuis des années maintenant, c'est notre président Giscard d'Estaing qui a été le premier à le mettre en route. Les grands pays, les pays soi-disant les plus grands, les 6, les 7, les 8, qui estiment qu'ils ont une responsabilité primordiale, se réunissent. Est-ce qu'ils se réunissent sur la base de quelques valeurs affirmées, lesquelles? La démocratie, peut-être, mais les Soviétiques y étaient, les Russes y sont aujourd'hui. Quelles sont les valeurs qu'ils défendent, si ce n'est cette valeur qu'ils veulent continuer à dominer le monde et à lui imposer leur égoïsme et leur goût du profit? Eh bien, ça ne me paraît pas la réponse au problème que nous avons. Et je mets en fait que nous saurons que de Deauville n'est ressorti rien d'autre qu'une nouvelle affirmation de la volonté d'être bien, d'être bon, de faire ce qu'il faut pour les malheureux autres, peut-être particulièrement pour ces gens sympathiques d'Afrique du Nord, mais il n'en sortira à mon avis rien. Alors est-ce qu'à 20, c'est mieux? Peut-être que l'argent qui est sorti du G8, 38 milliards d'euros pour les pays arabes qui se révoltent. Ah, cher ami, je reconnais là votre merveilleuse candeur. Vous pensez que ces 38 milliards sont sur la table? Attendons. Vous avez raison de souligner que ces pays disent quand même qu'ils vont faire quelque chose et peut-être qu'ils vont faire quelque chose. Mais pour le moment, c'est très discutable. Et s'ils ont auprès d'eux des représentants, comme c'est le cas de ces pays qu'il s'agit d'aider, bravo, c'est très bien. Mais au nom de quel principe fondamental commun? Là, c'est très faible. C'est le cas du G8 comme c'est le cas du G20. Il n'y a pas de principes fondamentaux communs qui permettrait à ces pays de faire autre chose que de favoriser leurs intérêts de
puissance. S'il y a les BRICS, c'est les intérêts des BRICS. S'il y a les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, c'est l'intérêt de ces pays-là. L'intérêt des populations du monde, où est-ce qu'elles se trouvent à 192 à l'Assemblée générale des Nations unies, qui va se réunir en septembre et qui, avec un peu de chance, va déclarer qu'il existe un État palestinien retenu par l'ensemble des 192 États. Vous êtes optimiste ou pessimiste aujourd'hui, Stéphanie Essel, par rapport à tout ce qu'on s'est dit, par rapport à l'avenir de la France, du peuple, et puis par rapport à l'avenir du monde? Parce que dans un des livres qui s'appelle Danse avec le ciel, vous racontez une conversation avec un de vos amis qui s'appelle Brian Lorcast. Et puis lui, il est très optimiste, parce que depuis 1917, le monde s'est construit des organisations internationales, s'est construit des grandes utopies, comme cette déclaration des droits de l'homme, mais voilà. Des choses pour avancer ensemble. Vous vous dites en même temps, là, il y a la terreur, il y a la bombe, il y a des avancées technologiques qui peuvent détruire le monde. Dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui? Optimiste? Je citerai à cet égard un homme que j'aurais voulu citer dès le début, Edgar Morin, avec lequel je vais poser cette question. Es-tu optimiste ou pessimiste? Parce que je voulais comprendre. Et il m'a dit, je crois que le probable, c'est que nous allions à la catastrophe. Donc, à cet égard, je suis pessimiste, car je vois la façon dont nous sommes en train d'avancer vers une destruction croissante de la Terre, vers un accroissement énorme de l'écart entre les très pauvres et les très riches. Je me dis, on va dans le mur. La crise de 2007 est loin d'être surmontée. Elle peut rebondir à chaque instant. Donc, le probable, c'est que ça aille mal. Mais je crois à l'improbable. Et je crois qu'à chacune des étapes de l'histoire de l'humanité, des situations qui paraissaient probablement fichues se sont improbablement révélées capables d'un sursaut. Je partage ce sentiment. Je suis donc optimiste parce que je suis convaincu que de la plus grande, du plus grand malheur sort la possibilité d'un nouveau bonheur. Il y a un poète allemand qu'on cite toujours. C'est merveilleux de citer les poètes parce que quoi qu'ils disent, on ne comprend pas bien ce qu'ils veulent dire, mais quand ils le disent avec suffisamment d'emphase et un joli rythme, alors on se laisse convaincre. Et Hölderlin nous dit que c'est du plus grand défi que sort le plus grand bénéfice. Eh bien, je pense que c'est cela qui doit nous donner aujourd'hui beaucoup de courage, surtout nous empêcher d'être indifférents ou découragés. C'est que la gravité des menaces qui sont devant nous est telle que cela nous oblige pratiquement à une nouvelle métamorphose, comme le dit Edgar Morin, c'est-à-dire à une façon nouvelle, radicalement nouvelle, courageuse, déterminée, non violente, d'aborder la suite de ce 21e siècle qui a mal commencé. Dans un instant, donc, nous allons prendre vos questions pendant une petite heure. Alors, je vous annonce déjà qu'il n'y aura pas de séance de dédicace parce que le programme souhaite que Stéphane Essel repart à Paris aussitôt après. Vous avez cité quelques-uns des livres, comme vous avez parlé de poésie. Vous avez écrit deux autobiographies. L'une s'appelle Danse avec le siècle, qui est une autobiographie tout à fait classique dans sa forme, et l'autre qui s'appelle Ô ma mémoire, et je sais que vous l'aimez beaucoup, c'est votre vie par la poésie, les poèmes dont vous vous souvenez qui ont marqué votre vie. Il y a évidemment donc aussi Indignez-vous et Engagez-vous, un livre qui a été écrit avant, mais qui est sorti après du titre Engagez-vous, qui prolonge
Donc, qu'est-ce que vient de dire Stéphane Essel. Il y a un livre aussi qui vient de paraître avec quelqu'un qui est là aussi à toi, c'est Aung San Suu Kyi. Un livre s'appelle Résistance pour une Birmanie libre. C'est une conversation entre vous et elle, une conversation que vous aviez tentée, je crois, il y a 10 ans, qui n'avait pas marché, et qui cette fois-ci donc, a réexercisé grâce aux nouvelles technologies, comme vous avez cité le dernier mot. Et, alors, je ne sais pas comment on peut le trouver certainement. Si vous allez sur site internet Rue 89, qui sera aussi un mensuel, et en février, ils ont mis en couverture 258 ans de réflexion, réunis en 3 personnes, Edgar Morin, Suzanne Georges, la fondatrice de la PAC, et donc vous-même, Stéphane Essel. C'est moi le plus vieux, hein, les autres sont des jeunes gens. Voilà, nous allons prendre vos questions. Alors, comme on a une petite heure pour les prendre, comme il y a donc. Celles et ceux qui sont ici au Chorlin, mais aussi au 4 bis et à la Signée. On va procéder d'une manière un petit peu différente des autres fois. Nous allons prendre 3 questions à la suite. Je m'en vais à chaque fois, s'il vous plaît, de vous lever, de vous présenter. Et puis, on tournera entre la salle à Signée et le 4 bis. On va commencer donc ici au champ libre. On va aller en haut de la salle. Il y a pas mal de choses que je vais dire dedans. Parce que je veux dire, c'est vraiment la déclaration universelle des droits de l'homme. On a dit, il manque la notion de devoir. Donc, c'est ce qu'on dit, c'est que les droits du monde proviennent de l'humanité des devoirs. Ah, très bien. Par exemple, c'est remarqué que la déclaration des droits de l'homme, les femmes ne sont pas psychéniques. Et il arrive parfois qu'elles soient données un peu de leur couleur. Donc, est-ce que le fait de modifier le contexte, de le baptiser déclaration universelle des droits de l'être humain, modifierait pas une progression qualitative dans ce contexte? Merci. On va prendre une autre question. En haut, il y a une question. Au balcon. Au balcon, à gauche. Très très vite, s'il vous plaît. Alors, on prend une dernière question dans la salle. Voilà, à gauche. On peut y aller, là, hein, ah, trois très belles questions. Pour la première, je dirais, non, monsieur, vous avez tort. La Déclaration universelle des droits de l'homme comporte l'article 28, qui dit très clairement que ces droits ne sont acceptables que si ceux qui les respectent tiennent compte des devoirs qu'ils leur imposent en tant que citoyen dans un régime démocratique. Alors, effectivement, on dit souvent les droits, mais quid des devoirs. En réalité, l'interprétation que ceux qui ont rédigé ce texte donnaient était que les droits étant les droits de tous, chacun doit aussi avoir le devoir de respecter les droits des autres. Et que par conséquent, l'idée de droit était incluse d'une façon en quelque sorte logique, par un système de pensée logique,
est à celle de droit. Il n'y a pas de droit sans le devoir de respecter les droits des autres. Mais je reconnais que ça aurait pu être intéressant. À un moment donné, on a rédigé aux Nations Unies un traité sur les droits et devoirs des États. C'est des autres choses. Mais c'était intéressant aussi. Donc, revenir éventuellement, sous une forme ou sous une autre, à la notion de devoir, ça peut être intéressant, je le reconnais, mais il serait injuste de dire que la notion de devoir est absente, voire article 28 de la Déclaration universelle. Et là encore, vous êtes beaucoup plus loin de la vérité, c'est que le premier texte qui, dans son article 2, dit qu'il ne peut y avoir aucune discrimination à aucun égard fondée sur le sexe, donc droit des hommes et des femmes à égalité, c'est même la raison pour laquelle l'Arabie saoudite a été parmi les États qui se sont abstenus, car eux trouvaient qu'il y avait des droits qui étaient l'apanage des hommes et pas des femmes. Mais eux, c'est qui? C'est leur gouvernement. C'est sûrement pas les femmes arabes qui ont envie d'avoir moins de droits que les hommes. Voilà ma réponse à la première question. La deuxième est d'une grande importance. Qu'est-ce que, en effet, signifie la contestation actuelle à Madrid de ces indignados? Bien sûr, le mot, alors comme ils ont su que mon petit « indignez-vous » avait eu un grand succès en langue française, traduit d'ailleurs en castillan, en catalan, en basque et en galicien, et qui s'est répandu très sympathiquement en Espagne. Alors que ça leur ait donné une inspiration pour s'indigner. Mais l'essentiel dans leur indignation, c'est qu'elle s'adresse pas à n'importe qui, mais c'est à ce que j'appellerais le lobby des forces économiques et financières, qui sont effectivement actuellement la force dans le monde, qui impose sa loi au gouvernement et par le canal des gouvernements l'impose aux citoyens. Donc s'il y a en effet une indignation qu'il faut porter à son terme aujourd'hui, c'est l'indignation contre ces forces-là, ces forces égoïstes qui ne connaissent que le profit et qui, lorsqu'ils tombent en crise, lorsque ces forces-là tombent en crise, disent aux États « Vite, 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 renflouez-nous, on a besoin de votre argent ». De votre argent, c'est-à-dire de l'argent de qui? Mais de l'argent de vos peuples et de vos citoyens. Là se trouve actuellement le combat à mener. Et si nos sympathiques amis madrilènes commencent ce combat, c'est ce combat-là qu'il faut les aider à gagner. Alors, il reste la troisième question qui, naturellement, m'est la plus chère. J'ai passé une bonne partie de ces dernières années à essayer de me mobiliser avec beaucoup d'amis merveilleux pour que la politique de la France à l'égard des immigrés ne soit ni aussi craintive, ni aussi manquant autant de générosité que c'est le cas à l'heure actuelle. On en est non seulement à vouloir chasser de notre pays des gens qui essayent d'y trouver une vie pour les sortir de leur misère, mais ceux qui les appuient et qui se battent pour qu'ils soient mieux accueillis, on les accuse d'être de mauvais citoyens, c'est tout juste si on les flanque pas en tôle, c'est tout à fait scandaleux. Et s'il y a un scandale français, jusqu'ici, on a plutôt dit du bien de la France, me semble-t-il. Heureusement, il faut en dire du bien aussi. Et surtout, il faut dire du bien de règne. Mais il faut dire du mal d'une politique d'immigration qui n'a pas encore compris qu'il est de l'intérêt majeur de notre pays d'y accueillir des gens venant de beaucoup de régions du monde, de les y accueillir pas seulement
pour mettre un terme à leur misère, à leur souffrance, qui mérite notre sympathie, mais pour nous enrichir, nous Français, nous Européens, des richesses culturelles, des richesses de dynamisme qu'apportent ces gens qui viennent ici, pas pour se dorer au soleil, mais pour travailler, pour exercer leur activité et leur dynamisme, et ça nous fait beaucoup de bien. On va aller au 4 bis maintenant, c'est une salle où beaucoup de jeunes vous attendent, Stéphane Hessel. Alors voici une première question de Gérard. Vous avez été un des négociateurs et rédacteurs de la Convention de coopération culturelle entre la France et l'Algérie en 1963-64. Quel bilan faites-vous de cet accord? Première, on en prenait trois? Non, une à une. Merci de parler de l'Algérie. Nous ne l'avons pas encore évoqué. Il se trouve que j'étais en Algérie dans ces années que vous citez, c'est-à-dire 2 ans après l'indépendance, et j'ai été parmi les négociateurs de l'accord de coopération qui a permis à un nombre important de travailleurs algériens à l'époque d'être accueillis en France. Et pour de bonnes raisons, nous en étions encore au développement de notre industrie, notamment de notre industrie automobile, de notre industrie du bâtiment. Nous avions besoin de travailleurs, de préférence de travailleurs capables d'accepter des tâches dures et pas forcément très bien payées. Et nous étions heureux de pouvoir accueillir des Algériens. Eux-mêmes souhaitaient que nous en accueillions plus que ce que nous nous proposions d'accueillir, sachant qu'ils avaient dans leur pays un nombre considérable de jeunes qui n'arrivaient pas à trouver un emploi. Dans l'ensemble, je pense qu'à cette époque, la relation franco-algérienne a été constructive. Le général de Gaulle, qui avait réussi finalement à faire accepter à la France l'indépendance de l'Algérie, c'est une des tâches les plus lourdes qu'il a assumées et il faut lui en être reconnaissant, souhaitait vivement que les relations entre l'Algérie et ce nouveau partenaire indépendant soient aussi positives et constructives que possible. Pour autant, est-ce que nous n'avons pas une raison de nous indigner encore? J'en parlais pas plus tard qu'avant-hier avec Raymond Aubrac. Je rappelle que Raymond Aubrac a été chargé tout de suite après la guerre de s'occuper de la enlever les mines qui étaient sur le territoire français, de déminage. Et il me rappelait que si les Allemands nous ont donné tout de suite après la guerre l'exact champ des mines qui avaient été posées en France, nous n'avons jusqu'ici pas encore donné aux Algériens la description des champs de mines qui existent entre l'Algérie et la Tunisie et entre l'Algérie et le Maroc. Y a-t-il quelque chose de plus scandaleux? C'est vous dire que la relation entre la France et l'Algérie reste complexe, difficile. Les Algériens continuent à nous en vouloir, c'est compréhensible. Nous continuons à leur en vouloir, c'est aussi compréhensible. Mais la vraie amitié, la vraie compréhension mutuelle, elle n'est pas pour aujourd'hui, mais peut-être pour demain ou après-demain. Une deuxième question. Voilà. Le cours des 4 bits, en fait, c'est des hommes. Des fois, sur Internet, ils prennent des pseudonymes un petit peu surprenants. Donc, la personne qui vous interpelle s'appelle Petite Planète Bleue. Ne pensez-vous pas qu'il est grand temps d'agir en partant des besoins de base des opprimés pour se diriger vers un mieux-être au quotidien, s'inspirant de l'exemple d'Illich et de Fresne au Brésil, par exemple? D'Illich et de. Exemple. Et de Fein, ah oui, c'est ça, au Brésil par exemple.
en même temps, vous pouvez expliquer. La petite planète bleue signale deux penseurs qui ont essayé d'exprimer la manière dont une société assez différente de la nôtre pourrait donner aux plus misérables un accès plus rapide et plus substantiel aux richesses du monde, et qui ont donc attaqué, comme il faut attaquer, les forces qui empêchent cette distribution plus large et qui tiennent à l'égoïsme des possédants. Illich a eu une influence intéressante sur certains de nos penseurs. Je pense à un homme remarquable comme André Gortz et son livre sur la métamorphose du travail. Freine a été au Brésil d'un grand appui, et heureusement maintenant, la nouvelle présidente du Brésil, Madame Rousseff, s'inspire pour certaines de ses actions de cet héritage. Donc, petite planète bleue, t'as raison, il faut continuer à pousser dans ce sens. Voilà, on va prendre trois nouvelles questions ici au champ libre, parce qu'en plus, c'est à dire que vous avez une invitation pour vous rendre un tournoi sportif, un tap engagé de l'association France-Palestine, mais c'est demain soir, donc c'est déjà parti sur Paris. Et la question était l'État palestinien va-t-il être reconnu par l'ONU ? Vous avez en partie répondu tout à l'heure. Voulez-vous qu'on y réponde encore d'un mot ? La question entière, l'État palestinien va-t-il être reconnu par l'ONU devant l'intransigeance israélienne et le soutien infaillible des USA contre le droit international ? Et c'est une question d'Hamid. Alors, une question de Hamid. Hamid est peut-être palestinien, ça me ferait plaisir de répondre à un palestinien. Et la reconnaissance de l'État palestinien par les Nations Unies est un geste plus formel que substantiel. Il ne changerait pas grand-chose sur le terrain, il n'obligerait pas dans l'immédiat les Israéliens à quitter leur colonie et à cesser leur occupation, mais il aurait une signification symbolique très forte. Il reconnaîtrait que tous les États du monde, par un vote, souhaitent qu'il y ait un État, que cet État doit normalement être l'un des 194 États qui composent la planète, et donc ce serait un geste intéressant. Il est à craindre que même sous simple forme de geste, sans véritable application immédiate sur le terrain, cette proposition soit combattue peut-être pas tellement au sein de l'Assemblée générale, où les États-Unis ne disposent d'aucun droit de veto, mais s'il s'agit ensuite de le transmettre au Conseil de sécurité pour une application, là, le veto américain est aujourd'hui vraisemblable. On ne peut qu'être effaré par la façon dont, à Washington, les discours du dirigeant israélien Benjamin Netanyahou ont été accueillis non pas par des huées qu'elles mériteraient, mais par des applaudissements debout du Congrès américain. Nous sommes donc loin du moment où les États-Unis, principale force aujourd'hui au sein des Nations Unies et ailleurs, sont capables de mettre un terme à la façon dont l'État israélien conduit ses relations avec la Palestine. Nous allons à présent au balcon ici au champ libre. Au balcon. Est enfermé dans ce système présidentiel,
Voilà, merci. On va prendre une autre question ici à droite. Si vous pouvez vous lever, s'il vous plaît, madame. À droite. Je vous laisse vous voir. Au-delà de ce qui est particulièrement grave dans les cas idées, il y a ce qui me choque le plus, c'est la façon dont actuellement il se défend. Et donc, la promotion de l'enfant, qui n'est pas complètement réaliste, mais la promotion de l'enfant, c'est aussi la parole de la diversité, de la société, de la société. Et donc, ce qui me choque, la finalité aussi, c'est la façon dont il se défend. La finalité, c'est Merci. Merci, c'est bien. Une autre question. Oui, j'ai une question. À gauche. C'est pour les hommes qui peuvent la maternelle. Est-ce qu'il faut parfois de l'éviter de la maternité, surtout dans les communes et de ceux qui peuvent le plus. Dès la maternité, merci de répondre. Merci. Alors, d'abord, s'il vous plaît. D'abord, je suis tout à fait d'accord avec l'ami qui a posé la première question. Nous avons sombré dans le présidentialisme à un moment où le général de Gaulle avait le sentiment que la France était menacée par de la violence, que le président pouvait être tué, ça a failli lui arriver au petit Clamart, et il s'est dit, il vaut mieux le conforter par un vote au suffrage universel. Il allait par là à l'encontre de la pensée de l'homme d'État français dont je me sens le plus proche, Pierre Mendès-France, et je dirais même que si Mendès a toujours refusé de travailler avec le général de Gaulle, c'est parce que pour lui, le présidentialisme était en effet pour la France une forme de bonapartisme déguisé et que ça pouvait être très dangereux. Je pense que nous avons compris au cours des dernières présidences le risque que nous voyons dans un régime où le président est élu au suffrage universel. Pourrions-nous en revenir ou en aller vers un système comme celui de la plupart des États européens où il y a certes un président qui exerce un rôle vaguement arbitral pour les grands problèmes, mais où la politique est définie par une chancelière comme en Allemagne, un premier ministre comme en Grande-Bretagne, un premier ministre comme dans beaucoup d'autres pays, où la notion de président reste quelque chose d'assez vague et où la politique du gouvernement est faite par quelqu'un dont le pouvoir dépend du Parlement, et donc un vrai régime parlementaire ne s'accommode pas d'une élection du président au suffrage universel. Pouvons-nous revenir à un vrai régime parlementaire? Ce n'est pas impossible, ça nous obligerait à changer notre constitution. Quelles sont les forces en France actuellement qui y sont favorables? Une bonne partie de la gauche au Parlement, une bonne partie de la gauche au Sénat. Si demain, avec les élections sénatoriales, nous arrivions à un Sénat à majorité de gauche, et si nous arrivions, on peut rêver, après les législatives de 2012, à un Parlement de gauche,
ce Parlement et ce Sénat pourraient s'entendre pour une modification de la Constitution de la Ve République, pour arriver à une VIe République dont nous voyons bien l'image, plus nettement parlementaire, avec davantage peut-être de proportionnel dans les élections, soit tout simplement une nouvelle démocratie qui répondrait à la nécessité d'une inventivité politique dont pour le moment nous sommes tristement dépourvus. Deuxième question. Deuxième question. Je comprends parfaitement que l'on ait la conviction que cette malheureuse femme de chambre a subi probablement quelque chose d'inacceptable et par conséquent qu'il est normal que Dominique Strauss-Kahn en porte la responsabilité. N'oublions cependant pas que le fonctionnement de la justice américaine est plus brutal et quelquefois plus inhumain que ne l'est la justice européenne, et que si quelqu'un se trouve sous le coup d'une accusation aussi infamante que celle d'avoir porté atteinte à la personne d'une femme de chambre, il risque des condamnations qui peuvent aller très loin et être très graves. Alors, il est assez normal que, puisque présomption d'innocence il y a, on attende, soyons patients, jusqu'au 6 juin pour savoir si la justice va retenir contre lui telle ou telle accusation, que cela n'enlève rien au respect dû à la femme de chambre, mais que cela permette à Dominique Strauss-Kahn de ne pas subir des peines plus lourdes et plus dramatiques pour un homme de son âge et de sa force que celles que du côté français, par exemple, lui seraient imposées. Ça n'enlève rien au fait que nous devons et que nous en sommes à chaque instant rappelés par nos amis de l'autre sexe, nous devons défendre l'honneur des femmes inconditionnellement et sans jamais nous laisser aller à quelques conclusions vaguement machistes. Au fond, il n'a fait que quelque chose qui n'a pas porté une grave atteinte à quiconque, et c'est malheureux que pour autant nous soyons privés d'un homme qui a de grandes capacités internationales. Il y a aussi sur cette question le neveu de Benoît Groult, alors du féminisme notamment. D'accord. La troisième question. Vous rejoignez dans ce que vous dites un homme pour lequel j'ai beaucoup de respect, qui s'appelle Helmut Schmidt et qui a été chancelier en Allemagne, chancelier socialiste. Dans la dernière réunion où je me suis trouvé avec lui, il nous a dit, écoutez, vous m'embêtez avec tout l'avenir que vous voulez construire, tant qu'on ne limitera pas le nombre d'hommes et de femmes vivant sur cette terre, ils sont trop nombreux, et s'ils deviennent encore plus nombreux, ce sera encore plus difficile de gérer la planète. Eh bien, il porte un message important, intéressant. Heureusement, les bons démographes, il y a toujours des bons démographes qui font de bons calculs, nous disent, c'est fini, la courbe démographique est déjà en train de s'infléchir, vous allez voir, dans un siècle, on aura peut-être plutôt trop peu d'hommes sur la Terre que trop d'hommes sur la Terre. Alors, ne prévoyons rien, disons que contre l'accroissement démographique, il n'y a pas grand-chose à faire. Tout ce qui est lutte contre trop de natalité, la contraception, etc., ça existe, ça se développe, c'est probablement nécessaire.
il ne faut en tout cas pas l'empêcher, mais n'allons pas jusqu'à dire qu'il faut que nous soyons moins nombreux pour être plus intelligents. Je dirais au contraire, plus on est nombreux, plus il y a de cerveau, et plus il y a de cerveau, plus il y a de neurones. Chacun de nous en a déjà plusieurs milliards. Si nous multiplions les 9 milliards de neurones de chacun par 9 milliards d'humains, ça fait, si je comprends bien, 81 milliards de milliards de milliards de neurones. Si avec ça, on n'arrive pas à résoudre les problèmes qui sont devant nous, c'est que vraiment, on est trop con. Le triptyque, et Jocelyne me fait remarquer, elle a raison, que je ne vais pas demander de répondre à l'une des premières questions qui est la salle concernant Nicolas Hulot. Je crois, monsieur, que la question était pourquoi Nicolas Hulot et pas Eva Joly. Et pas Eva Joly. Écoutez, mon souci est extraordinairement statistique. Je considère qu'à côté des socialistes pour lesquels je m'apprête à voter, et pour lesquels Martine Aubry me paraît actuellement, je dois le dire, la meilleure placée pour recueillir le plus grand nombre de suffrages, je pense qu'il est bon qu'il y ait des suffrages exprimés pour les Verts. Et Nicolas Hulot, que j'ai eu la possibilité de rencontrer, m'a dit clairement que s'il se présentait, c'était pour, au moment opportun, jouer l'alliance des Verts et des socialistes. Peut-on espérer davantage de votes sur le nom de Hulot que sur le nom d'Eva Joly? C'est une question. Et quel que soit celui qui se présentera pour les Verts, je serai heureux qu'il obtienne beaucoup de suffrages pour pouvoir ensuite faire coalition avec le Parti socialiste pour un Parlement de gauche au sens le plus commun du terme. Alors, on peut me dire, oui, mais Nicolas Hulot, est-ce qu'il est vraiment de gauche, est-ce qu'il est vraiment ci, est-ce qu'il est vraiment cela? Chacun peut avoir son avis là-dessus. Si vous avez envie de voter Eva Joly, bravo! Mais surtout, évitez de ne voter ni pour l'un ni pour l'autre et de vous abstenir. Nous allons parler d'indignation avec deux questions qui viennent toujours d'assigner. La première de Georges, l'indignation est-elle toujours bonne et défendable? Réduite à un slogan, n'est-elle pas dangereuse dans la mesure où elle substitue à l'exercice de la raison sereine l'émotion primaire de l'instant? La seconde, qui vient de Paul, face à la destruction des acquis du Conseil national de la résistance, un droit de résistance contemporain, c'est-à-dire un droit de désobéissance civile, est-il justifié à vos yeux? C'est les deux questions. Hein. Nous en restons là. Oui, tout à fait. La notion d'indignation est pleine de dangers. Et je vous avoue que j'ai eu des moments un peu d'angoisse intérieure en me disant, est-ce que ça va être interprété par certains de ceux qui ne liront que le titre et qui ne liront pas l'ensemble du petit texte comme un appel à s'indigner sur quelque chose qui leur paraît insupportable, par exemple la présence de trop d'Africains dans le métro de Paris ou de trop d'Africains dans nos équipes de football. S'indigner contre cela, c'est évidemment pour moi tout à fait scandaleux. Et je dis, oui, on peut malheureusement donner au titre que nous avons choisi cette interprétation. C'est pour ça qu'il faut toujours faire très attention à ce qu'on lit. Si, en revanche, on lit l'ouvrage, on voit bien que ce sur quoi j'appelle l'indignation, c'est sur le viol d'un certain nombre de valeurs qui sont clairement décrites et affichées, celles du programme du Conseil national de la résistance, celle de la Déclaration universelle des droits de l'homme, et que l'indignation n'est justifiée, naturellement, à mon avis, que si elle porte sur des violations de ces valeurs-là.
Mais le risque est là et par conséquent, il est important d'interpréter chaque fois, de ne pas porter ce message sans l'accompagner de ce qu'il définit vraiment. Et ce risque, je sens que je le cours et j'en suis désolé, mais voilà, le coup est parti. Il faut espérer qu'il ira dans la bonne direction. Alors, la désobéissance civile. Nous nous sommes réunis il n'y a pas très longtemps au plateau des Glières, un endroit que je vous recommande, c'est un des plus beaux panoramas de la Savoie, et nous y étions en tant que résistants. Il y avait Raymond Aubrac et moi, et c'est là que nous avons crié à toute tête, résister c'est créer, créer c'est résister. Ça c'est quelque chose avec quoi vous pouvez vous amuser, ça ne veut pas dire grand-chose, mais c'est toujours utile à affirmer. Mais en même temps et au même moment, nous avons dit, résister, c'est aussi affirmer ses convictions, même lorsqu'elles ne sont pas portées par la législation de votre pays. Lorsqu'on considère que dans la législation de votre pays, il y a quelque chose qui va à l'encontre des valeurs légitimes que vous considérez comme les plus importantes, alors il est normal et possible et souhaitable que vous désobéissiez à cette législation. C'est à traiter avec beaucoup de prudence. Il s'agit d'être sûr que ce à quoi on va désobéir est vraiment quelque chose qui vous choque profondément. S'il s'agit simplement de dire « Oh, moi j'aimerais mieux ça que ça », attention, nous vivons dans un pays démocratique, la loi doit s'imposer normalement à tous. Mais lorsque cette loi, dans certains cas, va à l'encontre de quelque chose qui vous paraît essentiel, comme paraît essentiel en ce moment à certains enseignants français, à un nombre croissant d'enseignants, la façon dont on veut leur demander de traiter leurs élèves et qu'ils disent « cette façon-là me choque et je ne l'appliquerai pas, je désobéirai, même si ça doit me coûter une partie de mon salaire », alors là je dis « vous avez raison, vous soutenez par là des valeurs légitimes et il peut arriver, il arrive, qu'une législation portée par un gouvernement ne réponde pas aux valeurs fondamentales de notre pays. » Voilà ma réponse à cette question. Donc, il y a donc trois nouvelles questions ici au champ libre. Alors, à gauche. Voilà. Ah non, excusez-moi, monsieur. C'était une réunion du derrière vous. Oui, c'est vous, madame. Merci. Une autre question à droite. Tout à droite. À droite. En bas. Précisez, je ne vois pas très bien ce que vous voulez dire. Merci.
difficile. Merci. On va voir. Oui. Question au balcon. Quoi, une question au balcon à droite. Au balcon à droite. Merci pour les questions. Vous avez parlé de l'enseignement tout à l'heure. Et moi, je voudrais vous demander comment faire pour que tous les enfants puissent bénéficier de l'éducation la plus évoluée. Comment faire pour que les générations futures aient une chance égale. Comment faire pour qu'une femme diminue n'ait pas moins de force que les autres. Merci. Alors, trois belles questions. Enfin, en tout cas, la première et la troisième. Pour la deuxième, je serai un peu évasif. Alors, disons d'abord, oui, madame, je suis, comme vous, très heureux que ces manifestations, même si elles sont vibrionnantes, restent extraordinairement pacifiques. J'en tire, si vous voulez, la conclusion que nous en sommes arrivés à une phase où la non-violence, l'abord pacifique des problèmes qui sont devant nous est le seul abord que nous puissions considérer à la fois comme souhaitable et bien plus encore comme efficace. J'ai le souvenir que dans le long parcours de ma vie, il y a eu certains moments de changement pacifique. Je suis très reconnaissant à un homme comme Gorbatchev. Je suis très reconnaissant à un homme comme de Klerk et Mandela. Il y a eu, heureusement, déjà des cas où, de façon pacifique, des changements se sont introduits qui étaient nécessaires, qui ont profondément transformé la situation du monde et qui, cependant, n'ont pas été appuyés sur de la guerre ou sur de la violence. C'est un bel exemple qui nous est donné et si, comme je l'espère, sort de la révolte arabe, égyptienne, peut-être demain syrienne, tunisienne, peut-être demain algérienne, l'arrivée d'une nouvelle forme de politique démocratique tenant compte des véritables besoins des peuples, eh bien, ce serait ce que Edgar Morin appelle métamorphose, ce serait merveilleux, c'est ce à quoi il faut espérer de s'attacher, et c'est la raison pour laquelle tout ce que nous pouvons faire, nous les pays plus riches, pour donner à ceux qui mènent ce combat pacifique l'appui nécessaire, l'appui requis pour qu'ils puissent poursuivre leur action, eh bien, il faut impérativement le faire. Sur le statut social, si je comprends bien, vous voulez dire que chacun de nous a une place dans la société. Il est salarié, ou il est entrepreneur, ou il est éducateur, ou il est un autre statut, artisan, etc. Oui, il est normal que dans une société, il y ait une multiplicité de statuts. Ce qui serait tout à fait inadmissible, c'est que tel ou tel statut, un statut sous-privilégié, ou au contraire un statut surprivilégié, soit reconnu comme devant bénéficier de je ne sais quel droit particulier. Et je pense que tous les membres d'une société, dans la mesure où ils font société, doivent avoir le même statut, doivent être reconnus à égalité comme ayant les droits de tous les citoyens. Si votre question voulait dire que selon vous, il y en a qui ne bénéficient pas de ces droits, alors il faut nous dire lesquels. Moi, je ne les vois pas. Si vous les voyez, je dirais tout de suite que s'ils ne bénéficient pas des mêmes droits que les autres, c'est quelque chose qui est un crime contre la démocratie. Troisième question. Alors, oui, je rappelle naturellement, je suis bien obligé, l'article 26
de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui dit clairement, je n'ai pas le texte sous les yeux, mais il dit tout ce qu'il faut dire sur le fait que tous les enfants doivent bénéficier d'une éducation qui leur permette d'acquérir toutes les connaissances dont ils ont besoin, qui doivent être traités à égalité, sans distinction ni de sexe, ni de condition sociale, et que l'éducation doit être gratuite dans le primaire et aussi accessible que possible, qu'il faut développer l'éducation professionnelle. Bref, cet article considère l'éducation comme quelque chose d'essentiel et il se termine en disant que cette éducation doit amener chacun à une bonne connaissance des droits inscrits dans la Déclaration universelle et à un soutien inconditionnel à l'action internationale. Bon, c'est un texte rédigé en 1948. Depuis, nous avons vécu des sociétés où le problème de l'éducation est devenu de plus en plus important et de plus en plus difficile à résoudre, parce qu'on s'est bien aperçu que la distinction entre les classes sociales entraîne malheureusement une distinction entre la façon dont les enfants sont éduqués. Tous les pays ont essayé de faire des efforts pour que les moins privilégiés puissent accéder à une école, que les filles soient aussi éduquées que les garçons. C'est toujours encore quelque chose qui est loin d'être achevé. Le travail que fait actuellement une des grandes institutions internationales qui a son siège à Paris et qui s'appelle l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, c'est un effort international intéressant qui a encore d'énormes progrès à accomplir, car effectivement, il y a encore beaucoup trop de pays où l'éducation ne touche qu'une fraction insuffisante de la population. J'ajoute que s'il y a un domaine dans lequel aucun effort ne doit être épargné, parce que c'est lui qui conditionne le vivre ensemble des générations de demain, c'est évidemment l'éducation. À cet égard, il y a des choses merveilleuses qui se font dans certaines villes. Je pense à celle où nous nous trouvons, où il y a un énorme effort éducatif. Et dans ce lieu même où nous nous trouvons, les champs libres, il y a des choses qui sont faites pour l'éducation scientifique et pour d'autres formes de participation des jeunes à l'éducation qui sont exemplaires. Merci. Nous allons parler de l'ONU maintenant avec une question d'Éric Bersinier. Il vous demande, ne pensez-vous pas que les forces internationales de l'ONU sont plus souvent spectatrices qu'actrices, comme notamment à Srebrenica ou encore en Afrique? En Afrique, je pense qu'il y a la Somalie, le Rwanda et d'autres pays. On y va directement sur cette question. Malheureusement, vous avez raison et je souhaite que pour mieux comprendre les raisons de cette absence d'action, vous ayez l'occasion d'étudier le fonctionnement de l'Organisation des Nations Unies, comprendre à la fois son potentiel, qui est loin d'être négligeable, et ses limites, qui sont évidentes. Et si ça vous paraît intéressant, je vous conseille de consulter un petit ouvrage écrit par un de mes amis qui s'appelle Yves Berthelot et qu'il a appelé « L'ONU pour les nuls ». Pour les nuls, vous n'êtes sûrement pas un nul, mais ce titre est exprès, un titre pour dire « Souvent, on ne sait pas très bien ce que c'est que l'ONU, il est bon de s'informer ». L'ONU est une organisation interétatique qui a fondé sa charte sur la nécessité de la coopération entre les États et qui a reconnu que les États membres étaient des États souverains. Par conséquent, bien souvent, l'action que l'ONU peut porter, elle ne peut la porter que s'il y a accord sur cette action
entre les États, et plus spécifiquement entre les États membres permanents du Conseil de sécurité, dont je vous rappelle rapidement la liste, qui sont 5. Il y a maintenant la Russie, c'était avant l'Union soviétique, il y a toujours la Chine, il y a toujours les États-Unis, il y a la France et il y a la Grande-Bretagne. Ça fait 5. Et lorsque ces 5 sont d'accord, on peut faire des choses violentes même. On peut même porter le fer dans la plaie lorsqu'ils sont d'accord. Mais lorsqu'ils ne sont pas d'accord, on en est réduit à une action de protection d'une paix déjà accomplie par l'envoi de casques bleus. Beaucoup de choses peuvent se faire et ont été faites à la suite d'un certain nombre de conflits, mais les plus graves, ceux que vous avez, je pense, dans l'esprit, le Rwanda, Srebrenica, et pourquoi les Nations Unies sont-elles restées spectatrices et pas actrices? C'est que les 5 États membres permanents du Conseil de sécurité n'étaient pas d'accord pour qu'on y utilise la force, chapitre 7, et pas seulement chapitre 6 de la charte. Voilà, si vous voulez, ce qui explique que l'ONU soit souvent spectatrice, et ça nous fait mal au cœur, mais pour que ça change, il faudrait que nous apportions aux Nations Unies elles-mêmes une réforme qui ferait disparaître ce droit de veto un jour peut-être, mais pas encore demain. Il va nous rester le temps pour 2 questions ici. Il y avait monsieur en bas qui, tout à l'heure, qui s'est coupé la parole. Non, vous voulez plus ? Bon, alors, monsieur derrière. À gauche. Je crois que malheureusement, on n'a pas le temps de prendre d'autres questions. C'est la dernière. Elle est importante. Merci de l'avoir posée. Je suis de ceux qui ont travaillé de toutes mes forces à ce que la décolonisation donne lieu à une coopération qui soit véritablement efficace. Ne soyons pas ingrats. Des choses ont été faites par la coopération avec les anciens pays colonisés par la France. Il y a eu des progrès, mais très insuffisants. Nous avons beaucoup trop aidé seulement les présidents et pas assez les peuples. Il y a là une nouvelle forme de coopération non néocoloniale, mais humaine, que nous avons entrepris, heureusement, dans un certain nombre de pays. Quand nous pourrons en parler plus longuement, je vous dirai lesquels, mais il reste des retards importants à combler, et ce n'est pas seulement le cas de la France, c'est aussi le cas de l'Europe, c'est aussi le cas des Nations Unies. La seule organisation qui, à mon avis, a fait du très bon travail, c'est le programme des Nations Unies pour le développement. Lui a réussi, dans un certain nombre de pays, à faire progresser la participation des peuples à leur propre développement, seule façon d'arriver à sortir un pays de ses difficultés. Merci. Je vous rencontre un petit peu exceptionnel. Alors, merci à toutes et à tous d'avoir participé depuis la salle des 4 bis, la salle des 200 000 par du CRM, mais également grâce à Internet, ceux qui sont
envoyez la question depuis assigné à la salle du critique et puis donc le 4 bis. Stéphane Essel, un très très grand merci pour votre temps. Ah bon, à mon tour, de vous remercier, cher Wagner, et de remercier chacun de ceux qui ont eu le courage de poser de bonnes questions. À bientôt, au revoir.